Bienvenue sur le site de Charente Libre pour la présentation du match Soyaux-Montpellier en présence de Sébastien Joseph et Laura Bourgoin. Donc premier match, première grosse affiche samedi contre Montpellier après la venue de Dijon. C'est une équipe que vous aviez réussi à tenir en échec l'an dernier justement. Ça doit être une bonne référence par rapport à ce match. Oui, sur les deux dernières saisons, c'est effectivement une équipe contre laquelle on a réussi à accrocher des points. Maintenant, la vérité d'une saison, pas forcément celle de la suivante. On sait que ce sera toujours un match compliqué. Ça reste un des gros adversaires, une des grosses équipes de championnat qui a toujours cette prétention de jouer les trois premières places du championnat. Donc voilà, on s'attend à une opposition compliquée et nous, on devra faire un très bon match pour essayer d'accrocher cette équipe et ramener des points. Laura, ça t'inspire quoi, Montpellier? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui est prenable. Maintenant, c'est quand même, ça reste Montpellier et avec des joueuses de qualité. Donc, on verra. Ouais. C'est vrai que sur les deux dernières années, on a réussi à les accrocher et il faudra réitérer samedi. Donc, du coup, vous restez sur une défaite au Paris FC. Voilà. Ça confirme que le Paris FC est toujours un peu devant vous. Et puis, voilà, dans les circonstances actuelles, avec les problèmes d'effectifs, c'est une équipe, effectivement, le Paris FC, contre laquelle on a du mal, je dirais, à grappiller des points et sur laquelle il faudrait légitimement, aujourd'hui, espérer et prendre plus, effectivement. On n'est plus sur la configuration de Juvisy il y a quelques années. Ça reste une équipe de qualité, mais je pense que nous, on a beaucoup évolué aussi. Et ça reste toujours frustrant de repartir avec zéro point contre cette équipe. Maintenant, c'est aussi une question de réalisme. Voilà, on ne peut pas dire qu'on était beaucoup plus mis en danger au dernier match contre Paris que ce que nous, on a pu les mettre en danger. Maintenant, elles ont été réalistes, efficaces sur coup de pied arrêté. Donc c'est, je dirais, mérité de leur côté, là où nous, on n'a pas su avoir cette efficacité. Et puis ça risque d'être un peu le même schéma ce samedi contre Montpellier, qui est aussi... Non, après, c'est une équipe qui a des caractéristiques de jeu qui sont complètement différentes. Voilà, c'est une équipe qui se projette beaucoup plus, qui a ses caractéristiques vraiment offensives. Il y a eu beaucoup de changements aussi dans leur effectif cet été, avec beaucoup d'étrangères qui sont venues renforcer leur effectif. Et non, c'est une équipe qui a des caractéristiques de jeu qui sont vraiment, vraiment différentes. Et on ne peut pas partir sur une approche de celle qu'avait été le Paris FC pour se dire tiens, on va jouer... comme ci ou comme ça. À nous, par contre, de travailler sur ce qui n'a pas fonctionné contre Paris pour pouvoir être plus performant contre Montpellier. Et donc là, il y a eu la blessure d'Anna Clérac qui va être absent de longs mois. Je ne sais même pas si on va la revoir avant la fin de la saison. Ça, c'est trop tôt pour le dire. On l'espère pour elle. Après, c'est toujours pareil quand on a des blessures qui sont graves et longues comme ça. Il y a l'opération, il y a le post-opératoire, il y a la rééducation, là, il y a la réathlétisation. En fonction de comment ça se passe, si tout va bien et qu'il y a les moyens de revenir sur le terrain, on en sera les premiers avis. Maintenant, si les choses doivent prendre un petit peu plus de temps pour qu'elle se soigne bien, de toute manière, on sait très bien qu'elle ne reviendra pas avant potentiellement la fin du championnat. On ne prendra pas de risque pour peut-être une ou deux journées qui resteraient de la reblesser, alors qu'il y a une saison qui rattaquerait derrière, ou elle pourrait aussi repartir sur une prépa complète. Donc ça, voilà, après, ce sera l'évolution médicale, les kinés, et avec elle que tout ça sera vu. Pour l'instant, il y a pas mal d'étapes avant. Bon. Et du coup, dans ces circonstances exceptionnelles, est-ce que tu peux avoir l'espoir d'avoir une joueuse supplémentaire pour compenser cette absence qui n'était pas prévue? C'est tout le problème. Alors oui, aujourd'hui, on va enregistrer l'arrivée d'une nouvelle joueuse. Voilà, qui est Alice Benoît et qui va venir compléter l'effectif, mais elle sera encore pas là pour ce week-end malheureusement, et on va dire que l'ensemble des problèmes qu'on avait sont
pas solutionné puisque Alice va venir pour, je dirais, compenser la blessure d'Anna. Mais Page toujours pas qualifié, Nara toujours pas là. On va dire que on va avoir le retour d'Anaïs Dumont qui a purgé sa suspension contre Paris FC. Donc l'effectif sera sensiblement le même que celui de Paris, moins Anna, plus Anaïs. Et Alice Benoît, elle arrive d'où ? Du Paris FC, justement. Du Paris FC. Elle jouait là-bas la saison dernière. Après, elle est passée par pas mal de clubs. C'est une fille qui a beaucoup de vécu. Elle a plus de 70 matchs de D1 derrière elle. Elle a été internationale jeune. Elle est déjà d'ailleurs passée par Soyaux dans les années passées. Voilà. Donc elle était encore au pôle, il me semble, quand elle était joueuse ici. Donc c'est un club que malgré tout elle connaît et voilà, sera un plus pour notre effectif, surtout dans le contexte actuel. D'accord. Bon, et elle, c'est une milieu de terrain ? C'est une milieu de terrain. Ouais. Bon. Et toi, Laura, on voit que tu t'es créé beaucoup d'occasions là, pour le premier match à Dijon. On a l'impression que tu es assez à l'aise dans le nouveau schéma de jeu avec. Avec la recrue avec Nina, on a l'impression que voilà, il y a déjà une belle complicité qui s'est créée. Ouais, alors je le sens pas comme ça, je pense que c'est avec toutes. Comme je peux jouer avec les entraînements avec toutes les attaquantes, mais ainsi que toute l'équipe, je trouve que on a réussi à. Au fur et à mesure des matchs, avec les matchs de prépa, plus là, après on en est qu'au deuxième, on va faire notre troisième. Voilà, mais je trouve que j'arrive à bien m'entendre avec toutes les joueuses, pas Nina. En tout cas, je veux dire dans le jeu. Alors oui, devant, oui. Alors après, je pense que si c'était deux autres, elles s'entendraient tout aussi bien. Donc, il n'y a pas de. Oui, alors après, je me sens bien, je suis devant, je suis un poste que j'aime bien et donc voilà, j'ai tout pour exploiter mes qualités comme elle parfaitement. Et d'une façon générale même, qu'est-ce que tu penses toi de l'apport des étrangères, qu'est-ce que ça t'a apporté? Je trouve qu'elles apportent une ambiance de travail très différente. C'est des filles qui lâchent jamais rien, je dis pas que nous on est des clients, hein, mais je sais pas comment expliquer, mais moi quand j'en parle autour de moi, j'arrive pas tellement à dire ce qu'elles apportent, mais c'est vraiment, et je trouve que d'abord c'est vraiment une ambiance de travail différente, une mentalité différente, c'est peut-être une culture différente aussi. C'est, en tout cas, c'est quelque chose qui a fait vachement de bien à l'équipe. Et c'est tout le monde s'y met, tout le monde a voulu rentrer dans ce moule aussi. Et je trouve que c'est vraiment bien pour l'équipe. Je pense qu'on en avait besoin. Et du coup, vous parlez dans quelle langue? Vous êtes toutes mises à l'anglais ou vous leur apprenez le français? On essaie de leur apprendre le français, mais pour l'instant, on est dans l'anglais. Il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres. Il y en a qui se débrouillent. Ouais. Et toi ? Non. Ah, toi non. Bon. Sébastien, je lisais des déclarations là, après le match contre le Paris FC sur les objectifs que vous pourriez avoir, et c'est peut-être lié justement à tes problèmes d'effectifs où tu disais que cette année il faudrait d'abord aller chercher le maintien le plus rapidement possible et voilà. Bon, je te sentais moins ambitieux que les années précédentes. Non, mais après, on a toujours fonctionné par étapes. C'est-à-dire que dans un club comme le nôtre, la première chose à réaliser, c'est déjà se maintenir. Une fois que ça c'est fait, on peut légitimement voir où on est positionné à mi-championnat pour pouvoir se dire, on peut espérer ça, on peut espérer ça. Après, que le club ait des ambitions, c'est bien, c'est légitime, et nous, on est là pour répondre à ces ambitions. Maintenant, c'est toujours pareil, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et quand on affiche certaines ambitions et certaines prétentions, il faut avoir l'effectif qui soit en adéquation avec tout ça. Alors, la qualité dans l'effectif, je ne reviens pas dessus,
elle y est. On sait que la qualité est présente et qu'on aura une équipe compétitive chaque semaine. Mais on sait aussi qu'on a besoin de profondeur de banc pour pas trop tirer sur la corde certaines joueuses. Là, on va attaquer un bloc de 4 matchs d'affilée. Ça peut pas être les 11 mêmes qui rattaquent chaque semaine les matchs et qui doivent être prêtes à faire 90 minutes. Sinon, on va exploser. Donc, il faut avoir cette profondeur pour permettre à certaines joueuses de tourner un petit peu, de se reposer, de garder un état de fraîcheur. Celles qui rentrent sur le terrain, eh bien, qu'elles apportent un plus à l'équipe, qu'elles apportent de la motivation, de l'envie. Et ça, c'est nécessaire aussi dans un groupe. Sinon, voilà, on va exploser en vol. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est pas une question de qualité. Voilà, on a vraiment un groupe de qualité, mais on manque de quantité pour amener cette profondeur. Et je pense que la blessure d'Anna, bien sûr, elle est pas liée qu'à ça. L'effet que les filles jouent beaucoup, qu'elles soient beaucoup sollicitées, il faut tenir compte aussi qu'on sort quand même d'une longue période d'inactivité. Et on voit qu'on est, on n'est pas le seul club à avoir ce type de blessure depuis le début de saison. Voilà, Reims a eu Feller qui s'est blessé, il y a eu Bourdieu au Paris FC, il y en a eu McDonough au Havre. Je dois encore en oublier d'autres, mais il y en a pas mal, je dirais, depuis le début de saison et dans tous les clubs. Donc c'est nécessaire pour nous d'avoir cette profondeur de banc. Je sais qu'il y a des discussions qui sont actuellement sur la possibilité d'amener un quatrième, voire un cinquième changement pendant les rencontres de D1. Moi, je trouve que ce serait un plus justement par rapport aux organismes des joueuses. Pour pouvoir retourner, il faut aussi avoir du banc, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc même si je sais qu'on aimerait que la communication soit en permanence positive, à un moment, voilà, il y a aussi des réalités qui font que tout est le mieux pour le meilleur des mondes. Voilà, je ne suis pas candide et voilà, je vois bien et je constate qu'aujourd'hui on a besoin de plus de profondeur pour pouvoir permettre de moins solliciter en permanence les mêmes choses. Et qui pourra justement la remplacer en attendant l'arrivée de la recrue, tu sais qui va la remplacer samedi, ou alors il faudra changer de système de jeu? Je dirais les deux possibilités sont envisagées, voilà, sur un changement de système ou sur une adaptation d'une autre joueuse au milieu de terrain. Après, on l'a déjà fait, on sait que Laura a déjà joué au milieu de terrain sur certains matchs. On avait fait jouer aussi Daniel Roux au milieu de terrain sur certains matchs. Donc voilà, il y a plusieurs axes de réflexion qui sont encore envisagés. Ça va dépendre aussi de l'état de forme des joueuses. Voilà, on a encore l'entraînement d'aujourd'hui, demain, pour pouvoir se décider tranquillement. Bon, la bonne nouvelle, c'était la convocation de Roman en équipe de France, même si elle n'a pas joué. Vous êtes mis au courant de. Vous avez suivi son stage, vous avez été tenu informé de comment ça se passait là-bas? Ouais, moi je l'ai eu, mais très très ponctuellement. C'est surtout Amandine qui a échangé avec elle après ses retours. Je voulais pas qu'on soit tous là à se la solliciter. Et voilà, il fallait vraiment qu'elle soit concentrée sur son équipe de France. Donc elle a eu les retours avec Amandine, dont Amandine me faisait part. Nous on est ravis pour elle. Visiblement, le stage s'est très bien passé. Qu'elle n'ait pas joué de match pour un premier appel, on pouvait s'y attendre. Par contre, ses performances ont été intéressantes, visiblement, et j'espère que ça en appellera d'autres pour la suite pour elle, et qu'elle aura l'occasion, après aussi, de pouvoir montrer encore plus. Mais ça, c'est son travail au quotidien, à l'entraînement ici, ses performances en match le week-end qui font qu'elle a été appelée. Et puis après, là-bas, je sais qu'elle fera le nécessaire pour les convaincre qu'elle a tout à fait sa place. Très bien, merci. Merci.